Coucou, c'est Do, donc sortie astrale, partie 2, dédicace à Antoine. Donc, cette deuxième fois, c'était en pleine conscience, puisque j'étais réveillée dans ma cuisine, j'avais mon PC portable devant moi, je faisais un Candy Crush, enfin bref. Et donc bref, je joue, et il y a un moment où, comment je peux expliquer ça? C'est comme si d'un moment je me... figé. Donc, sincèrement, je me rappelle. Je suis donc devant l'écran. Je vois encore l'écran. Je vois ma cuisine. Je vois le père de mes enfants à la porte-fenêtre. Je vois mes enfants à côté de moi, les deux derniers. Donc, ils avaient 7 et 9 ans à cette époque-là. Donc, évidemment, c'est des garçons. Ça joue, ça braille. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et je me rappelle qu'en fait, je fige. Je vois encore l'écran, je vous jure, je me rappelle donc de ma cuisine, enfin de ma réalité, de notre réalité, et je décolle, j'arrive dans une autre maison avec d'autres personnes qui me parlent, et là, eux, je les entends. Alors, à savoir que mes enfants qui jouent à côté de moi, donc je les voyais encore jouer, mais je n'avais plus le son d'ici, en fait. Je n'avais plus le son de notre réalité. C'est, je continuais de voir, mais... je n'avais plus... c'est un peu comme la télé quand vous coupez le son. C'était le même principe. Et donc, j'avais... Donc, en même temps, quelque chose qui s'était... Vous savez, comme des moments où on superpose des photos. Parfois, on fait plusieurs photos comme ça et ça superpose. Ou parfois, dans les anciennes... Ouais, pour ça, il faut avoir connu les VHS. Mais parfois, quand on mettait un film sur un film, parfois, il y avait deux images ou deux passages de films qui pouvaient superposer. C'est le même principe où, en fait, donc, j'avais ma réalité et une autre réalité qui se superposait dessus. Où là, donc, j'avais vraiment aussi des gens qui me parlaient. Mais je ne leur répondais pas non plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que j'étais... c'est même pas j'avais peur ou j'étais tétanisée. Ça n'a rien à voir. Je pense que j'étais peut-être plus du côté, je dirais, stupéfaite. Parce que là, pour le coup, j'étais en train de jouer. J'étais pas en train de me dire, tiens, vas-y, décolle, tu demandes d'aller de l'autre côté. Pas du tout. J'ai dit, bref, tu fais ce que t'as à faire, quoi. Et c'était tellement... Puis ça a été soudain, ça a été pouf, pouf, je suis là-haut. Voilà, c'est... une nanoseconde. C'est ça. C'était décollage en nanoseconde. Et je crois que c'est ça. C'est le fait que comme j'avais ni demandé ni quoi que ce soit et que j'ai décollé, je crois que j'étais stupéfaite. Ça doit être ça, en fait. Et bon, ceci étant, je suis là-haut. Enfin, je dis là-haut parce que j'essaie toujours de me différencier du monde de notre monde. Et bref, encore une fois, un monsieur qui me parle. Et pas de problème, quoi. Donc, je t'écoute. Mais j'avais l'impression qu'il me connaissait, mais comme une intime. J'étais vraiment une intime à lui. Parce qu'il me parlait vraiment avec beaucoup de chaleur, beaucoup de... Je sentais même beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup... Enfin, je vous jure, quand il me parlait, j'avais l'impression que je me recevais des vagues d'amour, des vagues d'émotions, mais hyper plaisant, hyper... Enfin, t'avais envie de « continue, flatte-moi avec tes mots, flatte-moi avec ton amour, continue, j'aime ça. » Jouissance de l'extrême, orgasme de l'extrême, d'avoir quelqu'un qui... tu ressentais que de l'amour, je peux pas l'expliquer ça, en fait. C'est amour inconditionnel. Là, pour le coup, je crois que c'est vraiment le mot « inconditionnel », je crois qu'il a été inventé pour ressentir ce que j'ai ressenti. Et pourtant, c'est pas du tangible, c'est pas du palpable. Donc, je crois que je peux pas mieux l'expliquer que ça. On continue. Et, donc bref. Et d'un moment, en fait, je... Donc, il y a le père des petits qui, d'un moment, il m'appelle et il crie fort. Et je me rappelle, je mime la souris, hein, je me vois faire ça, en fait. Donc, encore une fois, hein, j'étais devant le PC, je ne bouge plus. Et d'un moment, en fait, je me rappelle, je fais comme ça, je le regarde et je me mets à pleurer tout ce que j'ai. Mais toutes les larmes de mon corps. Je me rappelle vraiment comme si j'avais atterri, comme si tu t'assois et tu fais comme ça. Là, c'est la même chose. Et je me rappelle, j'avais fait comme ça, comme si je m'étais réincorporée. Et donc, bref, je le regarde et je pleure tout ce que j'ai. Et puis, il comprend parce qu'il me dit, mais t'étais où? Tu fais, t'étais encore partie? Oui, mon jeune ami, oui, j'étais partie. Mais c'était tellement le choc soudain de revenir. Parce que bon, autant j'ai pas demandé à décoller, autant revenir, c'était violent. Mais d'une extrême violence. Parce que
J'étais tellement bien, j'étais tellement dans l'amour, j'étais tellement dans du bonheur, dans de la joie, dans de la liesse, dans le tout et dans l'extrême de tout ce qu'on aimerait avoir de bon et de meilleur. Voilà. Donc bref, hop, je reviens. Et en fait, il avait parlé fort, parce que comme il y avait Hansel et Gretel qui jouaient, non, évidemment, vous savez bien que enfin, je ne me serais pas amusée à appeler mes gosses. En... Oh, bon, bref. Zaza, Riri et Fifi. Enfin, moi, je les appelle mes trolls. Bon, bref. Ouais, comme si j'allais appeler vraiment Hansel et Gretel. Enfin, vous me direz, il y en a bien qui s'appellent Clitis. Bon, on ne va pas parler des prénoms, on n'est pas là pour ça. Mais bon, comprenez. Mais... Et en fait, il me demandait si ça ne me dérangeait pas de les entendre. Bah, si tu savais qu'en fait, je ne les entendais pas et que j'étais bien. Donc, en fait, non. Et puis, vraiment, il ne me dérangeait pas. Je ne les entendais pas, en fait. À côté, je ne les entendais pas. C'est, mais je crois que, sincèrement, je crois qu'il y aurait pu avoir une tornade, un tsunami, des éclairs. Enfin, j'en sais rien. La fin du monde qui était là, je crois que je ne l'aurais pas vue. Et je crois même qu'à la limite, j'en ai eu rien à foutre. Parce que j'étais bien là-haut. Ah, j'en étais à ce niveau-là, quoi. C'était, ouais, j'en étais vraiment là. Puis bon, bah, pouf, j'ai ratterri. Et, bah, c'est tout, quoi. Et j'ai pas le temps de comprendre, j'ai pas le temps de me demander où j'étais, avec qui j'étais, de quoi je parlais, qui c'était, pourquoi lui, qui il était pour moi, est-ce que je le connaissais, est-ce qu'on était intime là-haut, est-ce que... Enfin, vous voyez, j'ai... toutes ces questions-là, je me les suis posées... pendant longtemps. Après, j'ai arrêté de me les poser au fur et à mesure. Et quand je dis longtemps, longtemps. Ah oui, en plus, dans ma vidéo, je vous avais dit entre 34 et 35. Après, j'ai dit 35, 36. Donc, on va rester sur 35. Hein, c'est l'âge médian, ça. Donc, mais... ouais, je me suis posée pendant longtemps de qui ça pouvait être. Puis après, non, parce que tout compte fait, j'aurais jamais les réponses. Donc, voilà. Enfin, j'aurais jamais les réponses parce que depuis ce temps-là, j'ai jamais pu le repartir. Et du coup, je ne l'ai jamais revu. Donc, je ne vais pas me poser plus de questions. Avec quelque chose, je n'aurai pas de réponse. Et puis, à la limite, peut-être que j'en aurai après. Donc, voilà, je me dis que chaque chose en son temps. Et que d'un moment, peut-être que j'aurai des réponses. Et puis, voilà. Et peut-être que j'en aurai pas après. Et ce n'est pas grave pour autant. Mais ça, c'était donc la deuxième, ma deuxième sortie astrale. Mais je vous jure que c'est arrivé comme ça, en pleine journée. Donc, si vous avez vécu des expériences de la sorte, que ce soit de nuit comme de jour, en dormant ou en pleine conscience, laissez-moi un commentaire, dites-moi. Et si vous avez vécu des choses comme ça un peu extraordinaires, faites-moi le savoir aussi. Voilà. Passez tous une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Vous savez que je vous aime. Des bises. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye. Et puis n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi sur TikTok, abonne-toi sur Insta, abonne-toi sur Facebook, abonne-toi sur YouTube. Ouais, je suis partout. Mais ça me fait toujours plaisir quand on est soutenu.